Bonjour à tous. Alors, vous connaissez probablement Jacob Collier, le nouveau petit génie de la musique. Eh bien, à cause ou grâce à lui, le monde de l'internet musical a été bouleversé depuis une interview qu'il a donnée en 2017, dans laquelle il parle d'un concept d'harmonie assez obscur. Ce concept, c'est l'harmonie négative. Et tout le monde est devenu fou de l'harmonie négative. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler et vous mourrez d'envie de savoir ce que c'est exactement. Bien, je vais tenter, et je dis bien tenter, de vous expliquer ce que c'est. Je m'appelle Maxime, vous êtes bien sur la chaîne Modern Guitare. Comme je le disais, la première fois que Jacob Collier mentionne le terme d'harmonie négative, c'est dans une interview qu'il donne à Jun Lee sur YouTube. Et d'après les dires de Jacob Collier lui-même, c'est un concept qu'il tient du compositeur et musicologue Ernst Levy, qui développe ce concept dans son livre A Theory of Harmony. Comme j'aime bien remonter aux sources, eh bien je suis allé jeter un coup d'œil à ce livre. Et attention, je dois vous prévenir tout de suite, c'est un livre qui est d'une lecture assez complexe. Bon, déjà parce qu'il est en anglais et que si vous lisez pas l'anglais, ça va être d'autant plus difficile. Mais d'autre part, c'est un livre très obscur avec des termes que Levy est absolument le seul à employer dans la littérature musicologique. Comme par exemple la conception absolue, l'adaptation tellurique, le déterminant, le sous-déterminant, et mon préféré de tous, ontique génétique. Alors après avoir lu ce livre, pas entièrement mais une grande partie, bien le premier constat c'est qu'en réalité, à aucun moment, Ernst Levy n'utilise le terme d'harmonie négative. Donc du coup, la question qui se pose, c'est d'où Jacob Collier a tiré ce terme d'harmonie négative. Alors dans une autre interview qu'il donne toujours à Jun Lee, Jacob Collier précise qu'il tient ce terme d'un autre musicien, qui s'appelle Barak Shmuel, et c'est vraiment son nom, qui lui-même le tient du saxophoniste Steve Coleman, qui lui-même le tire de ce qu'il lit de Ernst Levy. Et d'ailleurs, Steve Coleman explicite ce qu'il retient des concepts d'Ernst Levy, dans un article qui est publié sur son site internet. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, je vais essayer de vous présenter, autant que faire se peut, la pensée d'Ernst Levy et dans quel courant elle s'inscrit. Car sur internet, on le présente souvent comme l'instigateur et le créateur de ces concepts harmoniques, mais en fait, il les tient lui-même d'autres théoriciens qui l'ont précédé. Alors même si ce n'est pas explicitement dit par Ernst Levy dans son livre, toute sa pensée musicale est très fortement influencée par ceux qu'on a nommés les dualistes et qui défendaient le principe d'une harmonie dite duale. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Alors tout d'abord, il faut savoir que ce concept de dualisme s'oppose au concept de monisme. Dans le domaine de l'harmonie, le dualisme, c'est de considérer une équivalence entre une triade majeure et une triade mineure. Tandis que le monisme, c'est de considérer la triade majeure comme la triade primaire et la triade mineure comme subordonnée à cette triade majeure. Et Levy, dans son livre, au lieu d'employer le terme de dualisme, préfère lui parler de polarité. Alors l'instigateur de cette pensée harmonique duale, c'est un théoricien allemand du nom de Moritz Hauptmann. Et tout ce qui est en jeu ici, c'est la justification de la construction harmonique, d'une part sur la triade majeure et d'autre part sur la triade mineure. Alors dans l'histoire de la théorie musicale, la triade majeure est souvent justifiée d'un point de vue naturel par la série des harmoniques d'un son fondamental. Il faut savoir en réalité que chaque son est la somme de différentes fréquences qui se déploient verticalement au-dessus d'une note fondamentale. Pour schématiser, c'est en quelque sorte l'ADN d'une note. Cette série de notes est découpée en ce qu'on appelle des partiels. Et si l'on prend les partiels d'un son fondamental, eh bien on va se rendre compte qu'on aura toujours la même suite d'intervalles qui va se déployer. On part du son fondamental, on a ensuite l'octave, ensuite la quinte, de nouveau l'octave du son fondamental, ensuite on a la tierce et de nouveau la quinte, et ainsi de suite, mais avec différents intervalles, comme vous le voyez à l'image. Alors petite précision, toutes ces fréquences ne correspondent pas forcément aux mêmes notes du tempérament égal. Alors il est fréquent dans la théorie musicale de justifier la construction de la triade majeure comme un élément donné par la nature et précisément par cette série d'harmoniques. Pourquoi? Comme vous l'avez vu sur le schéma précédemment,
Eh bien, nous avons contenu dans les premiers partiels de la série d'harmoniques d'un son fondamental, eh bien, les notes qui constituent une triade majeure. Et la question à 1000 euros ou plus qui se pose, c'est si l'on peut justifier cette triade majeure par la série des harmoniques, eh bien, comment justifier l'emploi de la triade mineure, cette fois-ci donc avec une tierce mineure. Eh bien, si vous prenez cette série harmonique, vous vous rendez compte que nous n'avons pas de tierce mineure. Si je prends un son fondamental qui correspond au Do et que je regarde ces harmoniques, eh bien vous verrez qu'on ne retrouve pas de tierce mineure, c'est-à-dire que je n'ai jamais de Mi bémol. Je peux construire cette triade majeure, mais pas cette triade mineure. Et donc la question est de savoir quelle est la nature de l'accord mineur. Et c'est là que nos dualistes tentent de répondre à cette question, en postulant pour certains, et c'est repris par Ernst Levy dans son livre, une série fictive d'harmoniques inférieures. Alors pour être très clair, ils sont bien conscients que cette série est purement fictive et abstraite et qu'elle n'existe absolument pas dans la réalité. Mais néanmoins, en partant d'un son fondamental et en inversant la série d'harmoniques, c'est-à-dire qu'au lieu de se déployer vers le haut, bien on l'inverse et on le déploie vers le bas, et bien dans ce cas, nous pouvons obtenir les notes d'une triade mineure. Mais pour être très clair, une triade mineure qui se déploie dans le sens opposé de la triade majeure. Et c'est là où on peut faire une analogie avec un arbre, comme le fait Ernst Levy dans son livre, où on imagine un arbre qui se déploie vers le haut avec le tronc et les branches, et vers le bas, sous terre, avec ses racines. Donc en quelque sorte, notre triade majeure, elle est symbolisée par l'arbre qui pousse vers le haut, et notre triade mineure, par les racines qui poussent vers le bas. Par conséquent, on se rend compte que les triades majeures et mineures sont composées des mêmes intervalles, mais qui se déploient dans un sens opposé. Par exemple, une triade majeure de Do. Nous avons les notes Do, Mi et Sol. Quels intervalles on a ? On a Do, Mi, un intervalle de tierce majeure, et Do, Sol, un intervalle de quinte. Ce sont ces notes que l'on peut retrouver dans la série des harmoniques naturelles. Et une triade mineure en partant de Do, mais qui se déploierait vers le bas, sera aussi constituée des mêmes intervalles. Par exemple, on va avoir Do, La bémol, une tierce majeure descendante, et Do, Fa, une quinte descendante. Et Levy, dans ce contexte, parlera du Do comme d'un son générateur, donnant naissance à la triade de Do majeur et à la triade de Do mineur. Et là, vous vous dites, un quoi Do mineur avec les notes Do, La bémol, Fa? Ce serait pas plutôt une triade de Fa mineur? Ah! Et vous avez raison, et c'est l'un des points les plus troublants du concept d'harmonie duale, et c'est en partie pour ça que cette théorie n'a pas véritablement fait école, c'est qu'il est, dans ce contexte, très difficile d'entendre le Do comme une note fondamentale. C'est pourquoi Ernst Levy, dans son livre, fait la distinction entre ce qu'il nomme la conception absolue, c'est-à-dire le Do pris comme son générateur de cette triade mineure, et ce qu'il appelle l'adaptation tellurique, le fait de percevoir la note la plus grave, en l'occurrence ici le Fa, comme son fondamental, et donc d'entendre un accord de Fa mineur et pas Do mineur. Mais là, pour l'instant, on n'en est pas encore à l'harmonie négative. Et je pense que j'en ai déjà perdu plus d'un ici. Et l'étape suivante, c'est de considérer les deux notes qui constituent un intervalle de quinte juste, par exemple Do et Sol, comme deux potentiels sons générateurs. Et Levy, dans son livre, parle de courant compensé. Pour Levy et d'autres, et c'est en partie ça que retient Jacob Collier, la quinte est l'un des intervalles les plus importants. Pourquoi ? Parce qu'on la retrouve dans les tout premiers partiels de la série harmonique naturelle. D'ailleurs, dans son livre, il en parle de manière assez obscure. Et là, je cite, page 22. La quinte est l'intervalle présexuel, d'où sa pureté particulière, son caractère archaïque de quelque chose émanant d'avant la création. Voilà, ça vous donne un petit peu le ton général du livre. Et donc, la polarité de cette quinte est orientée d'un côté ou de l'autre, suivant qu'on la compte par un intervalle de tierce. Si l'on a une tierce majeure, donc par exemple Do, Mi et Sol, eh bien dans ce cas-là, on considérera le Do comme son générateur. Par contre, si on a une tierce mineure et on a Do, Mi bémol, Sol,
Ici, on considérera le sol comme son générateur, influencé par cette série fictive d'harmoniques inférieures à partir de sol. Alors la conséquence, c'est que cette polarité crée de fait un axe de symétrie qui est fixé sur cet intervalle de quinte. Et là, on en vient à l'harmonie négative, et ce à quoi Jacob Collier fait référence dans ses interviews. Il va se servir de cet axe de symétrie créé par la polarité de la quinte pour inverser des accords et ainsi donner leur image en négatif. Alors pour que ce soit plus clair, eh bien on va partir du cycle des quintes. Cycle des quintes que normalement vous devez connaître. C'est tout simplement la représentation d'un enchaînement de quintes justes sous la forme donc d'un cercle. Et on va tracer un axe de symétrie entre le Do et le Sol. Eh bien, tout le concept de l'harmonie négative réside dans le fait de prendre les notes qui constituent un accord et de les inverser suivant cet axe de symétrie. Prenons un exemple, j'ai l'accord de Do majeur, Do, Mi et Sol. Je vais prendre chacune de ces notes et les inverser suivant l'axe de symétrie qui est dessiné. Donc le Do devient Sol, le Mi devient Mi bémol et le Sol devient Do. Donc là, vous voyez d'un accord de Do majeur, on est passé à un accord de Do mineur. Maintenant, si je pars d'un accord mineur, par exemple un accord de Ré mineur, Ré, Fa et La, j'inverse, comme précédemment, ces notes suivant notre axe de symétrie, je vais avoir le Ré qui devient Fa, le Fa qui devient Ré, et le La qui devient Si bémol. Et on a l'accord Si bémol Ré Fa, c'est-à-dire une triade majeure de Si bémol. Et là, vous voyez que d'un accord mineur, nous sommes passés à un accord majeur. Et bien, dans les grandes lignes, vous pouvez vous souvenir de ça, c'est que le principe de l'harmonie négative, c'est de transformer un accord majeur en un accord mineur, et inversement, un accord mineur en un accord majeur. Dans les vidéos consacrées à l'harmonie négative que vous pouvez trouver sur YouTube, on vous explique que l'harmonie négative peut être utilisée au sein d'une tonalité pour inverser chaque accord qu'elle contient. Ainsi, si vous avez une progression harmonique en Do majeur, eh bien vous pouvez utiliser ce principe d'harmonie négative pour réharmoniser chaque accord de votre progression. Toujours en suivant le principe de symétrie que je vous ai montré et en plaçant bien cet axe de symétrie entre le premier degré de la gamme et son cinquième degré. Donc si vous êtes dans une tonalité Do, l'axe de symétrie ce sera Do et Sol. Si vous êtes dans la tonalité de La majeur, votre axe de symétrie, ça va être La et Mi, La fondamentale et sa quinte. Alors pour vous aider et pour aller plus vite, vous pouvez aussi utiliser ce tableau récapitulatif qui vous montre comment s'inversent les accords d'une tonalité. Mais si on parle beaucoup de ça, comme je l'ai dit, dans les vidéos consacrées à l'harmonie négative, il me semble néanmoins que ce n'est pas véritablement la manière dont le pense Jacob Collier et encore moins Ernst Levy. Pour eux, c'est davantage une manière d'arriver sur un accord donné, soit par une succession d'accords majeurs en parcourant le cycle des quintes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Par exemple, si votre accord cible, c'est un Do majeur, eh bien vous pouvez l'approcher par une succession d'accords majeurs, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en suivant le cycle des quintes. Par exemple, vous pouvez faire La, Ré, Sol et Do, que des accords majeurs. Mais vous pouvez aussi arriver à ce même accord de Do majeur avec une succession d'accords mineurs, mais cette fois-ci en parcourant le cycle des quintes dans le sens des aiguilles d'une montre. Par exemple, mon accord de Do majeur est toujours mon accord cible, mais je vais y accéder par les accords mineurs suivants, Mi bémol mineur, Si bémol mineur, Fa mineur et Do majeur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je pense que c'est déjà beaucoup d'informations à digérer. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois, et puis dans ce processus-là, ça me fera des vues en plus, c'est toujours bon à prendre. Si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez les poser en commentaire. Vous pouvez également partager cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux. Comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à vous abonner également à la page Instagram de Modern Guitar, de faire un tour sur le site internet moderneguitaronline.com. Et en attendant, je vous laisse avec votre cerveau qui fume et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.